Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à mon let's play sur Final Fantasy VII Rebirth. On est arrivé à Costa del Sol, on a fait la traversée, je suis champion du tournoi, du bateau, bref, nickel. Maintenant on va continuer parce qu'on arrive bientôt à Corel, et là ça va être chaud, j'ai envie de jouer, c'est parti. Ah, excitation quand tu nous prends. J'ai retrouvé mon casque PlayStation. Il y aurait un meilleur son parce que les écouteurs que j'avais, ils étaient pourris. I am excité. Bon, alors je vous raconte ce que j'ai fait ici. J'ai pas fait grand chose. En fait, j'ai fait qu'une quête. Il te demande de parcourir 4000 mètres en gyropode. Et j'ai gagné un accessoire. C'est tout. Maintenant, on va aller commencer. On va aller voir Yuffie ici. Parce que bah, c'est la quête pour Yuffie. Allez, c'est parti. Hop, je suis trop un pro. Yeah! Tiens, les bâches de bouge. Allez là, hop, on descend. C'est parti! Hop. T'es venu manger une glace toi aussi? Oh, mais si ça se trouve, t'es là pour draguer? Allez, à vous! Tu le trouves trop mignon, mon maillot de bain, hein? Ça me calme. Ah, tu ne crois pas? Tu crois pas que tu nous as assez embêtés? Pardon? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Si vous me preniez dans votre groupe, on pourrait tous apprendre à mieux se connaître, tu sais. C'est pas mal, c'est pas mal. On va terminer. Ok. Vous avez compris que moi, la relation que je veux faire évoluer, c'est Tifa. Hein. Je suis là pour vous renseigner. Comme vous le savez sûrement déjà, nos établissements les plus renommés sont le Royal Coast et le Costa del Sol Resort. Nous comptons bien sûr beaucoup d'autres hôtels, mais je crains qu'ils soient tous complets. Je vous encourage fortement à faire une réservation la prochaine fois. Ouais, mais on va aller où, nous? La rue principale est l'endroit rêvé pour faire un brunch shopping. Si vous voulez faire facilement le tour des nombreuses boutiques, je vous conseille d'emprunter un gyropode. Non, j'ai pas envie. Notre plage est prévue pour accueillir de nombreux sports et activités maritimes. Surf, plongée, chocobateau. Sans oublier le simple plaisir de nager dans cette mer d'émeraude. Le Bar del Sol est l'un des lieux les plus populaires de Costa. Vous y trouverez des menus 100% locaux avec des plats de fruits de mer et des cocktails à base de fruits tropicaux. Mais faites attention à ne pas abuser des bonnes choses. Sinon, t'auras la chiasse. Ok, mais tous les trucs sont fermés maintenant. Costa Resort, on va aller le voir. Il est où? Ok. Pour profiter au maximum du plaisir de Costa del Sol, il faut s'en cacher. Ah, pourquoi ça a bugué là? La meilleure façon de visiter Costa, c'est sur nos gyropodes. Bonjour. Je suis désolée, mais aujourd'hui, nous n'acceptons que les clients qui ont une réservation. Eh, il se passe quoi? À repasser un autre jour. Ah, mais il n'y a que deux hôtels, moi je fais comment? Je suis désolée, mais aujourd'hui, nous n'acceptons que les clients qui ont une réservation. N'hésitez pas à repasser un autre jour. Tifa! Par hasard. Enfin, c'est un tout petit hôtel, hein. Ça tombe bien. On était en train d'en chercher un, justement. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, oh, oh. Mais bien sûr que vous pouvez venir. J'en serais totalement ravi et honoré. Ça doit être tout pourri.
Pour tout vous avouer, j'ai pas un seul client. Je sais pas trop, franchement. Oh, quand même! On est des amis de longue date, pas vrai? C'est pas la peine de faire des manières! Allez, suivez-moi, on y va! Mais, Johnny! Bon, alors, dépêchez-vous! De toute façon, c'est ça ou rien. Surtout, restez bien avec moi si vous voulez pas vous perdre. Je viens tout juste d'acheter, alors il y a encore quelques travaux à faire. Mais vous allez voir, ça a quand même de la gueule. Ah là là, c'est une sacrée histoire ce qui m'est arrivé. Je suis venu ici avec la meilleure volonté du monde. Mais j'avais pas d'argent, pas de boulot et pas de copine. La dèche totale. Je suis retrouvé à la rue comme un vulgaire rebut. C'est Monsieur Capono, le maire, qui m'a sauvé. C'est quoi cet hôtel ? Il a cru dans mon potentiel. Alors il m'a filé un tuyau pour une affaire immobilière en or. Un hôtel vendu à la moitié du prix du marché. En plus de ça, il est même allé jusqu'à me prêter l'argent. Un miracle. J'en ai pleuré. Ça doit être une de ces arnaques. Oh merde. Par ici ! Je vous présente le gîte balnéaire de Johnny. C'est de la merde. Bah après, s'il le retape... D'accord. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Pas mal, pas vrai? Tu nous as dit que c'était un gîte balnéaire, mais on voit pas la mer. C'est pas une question de la voir. Regarde. Tu la sens. Oh, vous sentez ça? L'odeur des embruns. Allez, entrez. J'y dis rien ici. Ah ouais. Hop, pousse de sauge. Bienvenue au gîte balnéaire de Johnny. Alors, les chambres. Tifa, tu as la 101 et Iris, la 102. Quant à la jante masculine, vous serez tous réunis dans la chambre 103. Et le prix? Comme c'est toi, je vous fais une super réduction. Vous avez... Mince, désolé, il faut que j'y aille. Monsieur Capono a besoin de mon aide. Vous avez l'hôtel pour vous tout seul. Mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Oh! Si vous allez à la plage, n'oubliez pas de vous changer. Et interdiction formelle de trimballer vos armes là-bas. Oh, Tifa en tenue de plage. J'aurais bien voulu voir ça. Il en... On va prendre une douche? Ouais, bonne idée. Bon ben, à plus tard. À plus tard, c'est quand? On peut profiter d'être là quand même. Y a rien qui presse. Pas vrai? Excellent. Ouais. Très bien, j'ai compris. Bon, bah, je vais faire un tour dans le coin. Au fait, vaudrait peut-être mieux que je change de tenue, moi aussi. Ah, il va remettre la tenue de marin. Y a pas à dire, ça me va trop bien. Bon, on se voit plus tard. Arme interdite. Hop. Désolé, je peux pas t'emmener. C'est bien, il parle à la Buster Sword. Moi, je m'en fous des autres armes. Les autres armes, je prends la technique et puis je remets la Buster Sword. Je m'en bats les steaks. Mais s'il pleut, j'espère qu'il fait beau tous les jours, hein, parce que c'est même pas couvert. Bon, allez, hop. Non. La douche, elle est cassée. On peut voir, gaga, pervers. On peut voir ici. Excellent. On va aller voir. Porte verrouillée, dommage. Espèce de pervers. Oula. Il a vraiment pas l'air très solide. Excellent.
Ça doit être un homme de main, Johnny. Eh hey, mon gars, je peux te proposer un hôtel bien meilleur que ce taudis. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu l'intérieur, non? Cette ruine vaut même pas 100 guilles. Et pourtant son proprio s'est endetté jusqu'au cou pour se l'acheter. J'arrive pas à croire qu'il y a encore des gars assez stupides pour se faire avoir à ce point. Je savais que c'était énorme, mec. T'as vu l'intérieur, non? Cette ruine vaut même pas 100 guilles. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'arrive pas à croire qu'il y a encore des gars assez stupides pour se faire avoir à ce point. Allez, qui veut une materia? Costa! Dites-moi, est-ce que vous êtes tout seul? Vous ne trouvez pas ça dommage, vous? Venir à la plage et n'avoir personne avec qui en profiter? Si c'est votre cas, nous avons une bonne nouvelle pour vous. La ville de Costa del Sol organise un grand événement pour favoriser les rencontres entre visiteurs. Trouverez-vous votre âme sœur? Une seule façon de le découvrir? Participez à Costa de la mort! Alors, vous laisserez-vous tenter par nos festivités? Non, merci. Voilà. Oh, sérieux? Oui. J'allais voir ce type là-bas. Au revoir. Une minute, c'est l'un de vos amis? Alors ça tombe bien, on aimerait vous parler de ces gens. On n'a rien contre eux, mais ils sont un peu étranges. Il y en a tout un groupe sur la plage et ça fait peur à tout le monde. Ils n'ont aucun sens du style et ça casse complètement l'ambiance. Vous ne voulez pas leur dire de bouger de là? Ça nous rendrait service. Ah, mais il reste un problème. On ne vous laissera jamais aller sur la plage dans cette tenue. Excellent. Vous êtes à Costa del Sol. Il faut apprendre à vous lâcher un peu plus. Pour vous y aider, voici le ticket numéro 7. Tenez. Il permet de participer au carnage des pirates et au carnaval des cartes jusqu'à la fin de l'événement. Oh non. Quelqu'un d'autre détient le même numéro. Trouvez votre partenaire pour former une équipe. Quand vous réussirez des activités ensemble, vous recevrez des cartes en cadeau. Elles peuvent être échangées contre des tenues de plage. Ah, j'espère qu'il y en a plusieurs. Et on passe en mode vacances. Ouais. Bon, profitez de votre séjour à Costa del Sol. Peut-être y ferez-vous la plus belle rencontre de votre vie. Bon, je vais Tifa, il n'y a pas d'autre rencontre. J'ai bien la façon de Cloud, il se laisse embobiner à chaque fois. Le manteau noir sont partis en direction de la plage chaîne. Bon, c'est lui qui vend les tenues. Les cartes s'obtiennent via notre événement Costa de la Mort. Pour en gagner, il suffit d'accomplir des activités à deux. Échange de cartes. Ah, si, je prendrai celui-là, parce que ça va faire passer à Zach. À plus tard, peut-être. Bon, allez, hop. Carnage des pirates, c'est quoi ça? On va quand même aller voir un petit peu. Hein. Soyez les bienvenus au carnage des pirates. Hé, hey, on m'a refilé un billet pour cet événement à la Costa de machin tout à l'heure. Je sais pas trop ce que c'est, mais on m'a dit de venir ici. C'est un événement organisé par la ville. Comment dire? Le but, c'est de se faire de nouveaux amis. Et apparemment, mon partenaire, c'est toi. Hein? T'as l'intention de participer à un truc comme ça, toi? Je veux les cartes qui sont à gagner. Je comprends mieux. Bien, tu peux compter sur moi. Ah, attendez un peu. En vous regardant, je devine que vous êtes un pro de la gâchette. Je suis sincèrement navré, mais les tireurs experts comme vous n'ont pas le droit de participer à ce jeu. Mais c'est pas juste, ça. Dans ce cas-là, fallait le marquer en grand ou le préciser dès le début. Ça se fait pas d'ajouter des règles, franchement. Je m'en occupe. T'as plutôt intérêt à assurer. Excellent. Viser, tirer, inverser. Ok. Allez, vite! Allez, montre-nous de quoi t'es capable. Allez, vite! C'est bon.
Ouf, c'est bon. Moi, c'est objectif 10 300. C'est bon, là, vous m'avez 10 000, là. J'ai pas de 13 000, là, je m'en fous. La 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 la. Oula, t'as réussi, mais c'était vraiment limite. Félicitations! Vous avez fait honneur aux encouragements de votre partenaire. Vous formez le meilleur duo que j'ai eu l'occasion de voir aujourd'hui. Quelle grosse couille. T'as entendu ça? On forme le meilleur duo, il paraît. Oui, peut-être. Non, mais franchement, tu peux pas tout simplement accepter le compliment. J'adore. T'es plus obligé de te la jouer blasée avec moi, tu sais. C'est bien, franchement, c'est bien. Les relations, ils sont bien, c'est bien, c'est excellent. Sur ce, je pars devant pour aller à la plage. Ramène-toi dès que tu te seras changé. Change de tenue. C'est bien amusé, le stand de tir. Costa, si vous voulez échanger vos cartes contre des tenues de plage, c'est par ici. Allez, surfer, on va se la jouer à la ZAC. Vous pouvez utiliser la cabine. Merci beaucoup, bonne journée à vous et profitez bien de vos vacances. Pam 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 pam. Oh là, je vais aller faire les cartes et sûrement choper l'autre, confirme. Voilà. J'avoue que j'aime pas l'autre avec la chemise. Spécial de Queen's Blood. Oui. Mais regardez qui voilà. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu cherches ta partenaire? En effet. Eh bien, tu l'as trouvé. Tu sais, on utilise des règles un peu particulières ici. Oh non. Comme les matchs se déroulent en équipe de deux, il m'était impossible de participer toute seule. Il va sans dire que je n'ai pas l'intention de perdre ce tournoi. Et avec toi à mes côtés, on va être imbattable. Il suffit juste de gagner. Alors dépêchons-nous d'en finir. Alors, qui seront nos prochains compétiteurs? Carnaval est une attraction dans le monde. Carnaval soit différente. T'as trois manches. Oh là là. L'OEA de nos gyropodes vous évitera les ampoules au pied. Oh. Eh ben, on dirait que la mer n'attend plus que vous. Vous souhaitez aller sur la plage? Ouais. M'acheter ça. Pas maintenant. Oh. C'est quoi ce type? Oh, il gâche complètement l'ambiance. C'est la présentatrice. Ah, te voilà. Les manteaux noirs se regroupent, on dirait. Ouais. Ils ont pourtant rien fait de mal, ces pauvres gars, pareil. Et malgré ça, les gens ont peur ou les traitent comme des chiens. Ils se font refouler partout où ils vont, c'est triste. Ils sont répugnants. Bon, allez, cassez-vous maintenant. Hé, hey, vous, laissez-les tranquilles. Oh. Barrette sauveur. Gîte et balnéaire de Johnny. Nana qui me tue. Merci d'avoir accepté de garder la porte. Oh, mais il n'y a aucun problème. Oh mince, l'eau s'arrête plus. Oh. Décidément, tout tombe en ruine ici. La musique. Ça me rappelle le bidonville. Ça y est, t'as déjà fini?
Aerys ? C'est qui ce gars ? Aerys, réponds. Oh non, oh non. Dis-moi, c'est quelle couleur pour toi ? Incolore. Mais what ? Avant, elle était blanche. Enfin, du moins, quand on était à Midgar. What ? Les matérias sont un condensé de la rivière de la vie. Ce sont des souvenirs du savoir. Oh. C'est les fileurs. Ils me les ont pris. Stylé. C'était des souvenirs importants ? Oui. Extrêmement. Quand je disais que les fileurs, ils prenaient les souvenirs. Ils lui ont pris les souvenirs de la matériel axe. Tu ne pas aller chercher Tifa et sortir ? Sacré, pardon. Au lit. C'est vrai. Excellent. C'est du savoir. On lui a pris ses souvenirs. Et le souvenir, c'est du savoir. Oh non, c'est trop fort, j'en... C'est trop fort. Je te déconseille d'aller en ville toute seule. Si tu veux sortir, invite Tifa. Ah bah t'es avec nous, toi. Tifa, ça va ? Les textures, elles sont dégueu ! On y va ? Oui, une seconde. On peut y aller. Il faut construire là où il va changer. Approprié. Et après ça, la plage. Ouais. C'est parti. J'aime bien le duo Tifa Aerys. Pendant l'événement spécial, vous pouvez contrôler Tifa ou Aerys et alterner entre elles. Oh, vous êtes là pour la gyropromenade, j'imagine ? Oui. Je suis désolée, mais vous arrivez trop tard. Il n'y a plus aucun gyropode disponible. C'est vraiment pas de chance. Faites quoi maintenant, Tifa ? Tifa ? Attends, me dis pas que tu viens de Midgar ? Des bidonvilles ? Si, pourquoi ? Oh, Tifa ! Tu n'imagines pas comme tu m'inspires, ma chérie, ma déesse ! Elle est folle, quoi, celle-là ? Vous imitez Johnny ? T'es tristement banale, en fait. Rien à voir avec le portrait que Johnny m'a brossé de toi. L'entendre, j'imaginais une belle Midgarienne cool et branchée. Certainement pas ça. S'il te préfère à moi, c'est qu'il n'a aucun goût. Dis donc, la crâneuse. Tifa ne t'a rien fait que je sache. Laisse Aerys. Elle est juste un peu jalouse. Yeah, tu Tifa. Ou tu te la pètes ? Hé, hey, Jenny ! Je te paye pas à discuter. Va me récupérer les gyropodes. Tu me parles pas comme ça, c'est clair. J'en ai marre à la fin que tout le monde ici me prenne de haut. Je te rappelle juste ton job. Pas la peine, je démissionne. Pourquoi ça se passe toujours comme ça ? Vous deux, vous êtes des amis de Jenny, non ? Non. Vous pourriez me rendre service et me ramener les gyropodes à sa place ? Entendu, on s'en occupe. Mais non, j'ai pas c'est que ça foutre. C'est bien de vouloir rendre service, mais il y a des limites. Je me sens responsable pour ce qui est arrivé à Johnny. Alors, je me dis qu'en aidant Jenny, je pourrais peut-être me racheter un peu, tu comprends ? Enfin, c'est surtout pour soulager ma conscience. Allez, au boulot. Vos bêtes à poils ou à plumes ont besoin d'exercice ? Venez à la course 120 ! Soyez les bienvenus à la course ! Je suis réservée au vainqueur de la course du jour est une spécialité culinaire de Costa del Sol, la fameuse viande façon tropicale. Alors, qui veut tenter sa chance pour cette succulente récompense ? Ça te donne faim ? Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Bienvenue, cher ami au pelage rouge. Tu as envie de te dépenser ? Tu es au bon endroit. Saute, tire en avant.
voici une carte à mort pour ta maîtresse. À bientôt. Alors, tu te régales? C'est la meilleure viande que j'ai mangée de ma vie. C'est excellent. Un vrai délice. Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, à tout prix que j'arrive à temps! Qu'est-ce qu'il fait? Tifa, regarde! Aimable. Il faut plus que pour Tifa maintenant. Allez, à ton tour maintenant. Tifa ? Aerys ? Qu'est-ce que vous faites ici ? J'allais te le demander. C'est quoi cette valise ? Elle appartient à un cadre de la Shinra. Je suis chargé de la porter jusqu'à l'hôtel. Mais pourquoi ? Johnny ? Tu détestais la Shinra pourtant. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ordre du maire. Je lui dois tellement, c'est pour lui que je le fais. En tout cas, on me traitera plus de rat d'égout comme avant. C'est bien, il y a du développement même pour... Partons d'ici. Ouais, allons-y. Elle est consciencieuse, fiable et toujours prête à aider. Oh, pas étonnant que Johnny soit red dingue d'elle. Faut croire que... je me trompais sur toute la ligne. Ah, t'es là, Jenny. C'est bon, on a fini de ramener tous les gyropodes. Oh, j'en peux plus, ça devrait être interdit d'être aussi gentil. T'as gagné. Je renonce définitivement à Johnny. J'ai bien compris que je faisais pas le poids face à toi. Désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Tiens, deux cartes en gage de bonne foi. Sans rancune. Attends. Pas de ta part. Je pense que tu devrais en garder une. Quoi ? Utilise-la pour t'offrir une tenue d'enfer qui fera tomber Johnny à tes pieds. À propos de Johnny et moi, il y a clairement un malentendu. On est des amis, rien de plus. Ah bon ? À entendre Johnny, ça avait l'air plus sérieux. Il a tendance à tout exagérer. C'est pas faux. C'est un gars très gentil, mais il a la manie de foncer tête baissée dans les ennuis. Alors, en tant qu'ami, je me sentirais plus tranquille si quelqu'un était à ses côtés pour veiller sur lui. Ah, t'essaies de me le refiler pour te débarrasser de lui? T'aimes pas. Mais non, pas du tout. D'accord, d'accord. J'ai rien dit. Ok, je vais tenter ma chance. En plus, j'ai l'impression d'en avoir appris davantage sur lui grâce à toi. Et puis, en amour, faut savoir s'accrocher. À plus! C'est pas mal ces petites histoires comme ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, allez, c'est bon maintenant. Allez, venez découvrir nos écrans. Costa, si vous voulez échanger vos cartes contre des tenues de plage, c'est par ici. Ah, moi j'aime bien celle-là. Ça lui va bien, Tifa, celle-là. A plus tard, peut-être. Bon, je m'en fous. Alors ça, c'est ce que j'appelle un loup festival. Vous souhaitez aller sur la plage ? À nous la plage ! Et avec élégance.
Ils ont très bien travaillé les costumes pour eux. Waouh. Alors, t'en dis quoi? Hein? Tifa, tu es aussi élégante qu'une baleine gracieuse. Et Aerys, tu as l'air tournoyant comme une jolie conque. C'est ta façon de nous complimenter? Désolé, mais je n'y connais rien du tout en beauté humaine, moi. Pas mal, c'est pas mal. De vraie beauté. Cloud, tout va bien? Oui. C'est juste que il fait très chaud. Faites gaffe, allez pas prendre un coup de soleil, ça fait mal. Hein? C'est vraiment tout ce que t'as à nous dire? Allez, écartez-vous! Oh, Joe. Ah, vous ici, en voilà une agréable surprise. Non, je ne suis pas venu pour Aerys, rassurez-vous. Mais bien sûr, si tu acceptes de nous prêter assistance, ce sera avec grand plaisir. Tu peux toujours rêver. Peu importe. Vous allez bientôt pouvoir assister à un incroyable spectacle. Tu pourras peut-être y participer, toi aussi. Oh, j'ai hâte de voir ça. Quelle bonne idée. Bonjour. Bonjour. Mesdemoiselles, que diriez-vous de devenir mes assistantes? Vous seriez beaucoup mieux loties en travaillant pour la compagnie Shinra, je vous l'assure. Ah, c'est tentant. Il se trouve que j'ai justement besoin de femmes pour m'aider dans ma prochaine expérience. Quel enfoiré. Imaginez ça, l'une de vous pourrait donner naissance au prochain héros de notre ère. Ce serait fou, professeur. Après tout, un héros d'une grande beauté impressionne ses ennemis d'autant plus facilement, n'est-ce pas? Car en fin de compte, ce n'est ni sa grandeur ni sa puissance. C'est excellent. Ils ont bénéficié la scène. Tu as répondu à l'appel, toi aussi, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? Ah, on va peut-être apprendre quelque chose. J'en déduis que tu n'en es pas conscient. Comme tu peux le voir, tous tes frères ont également fait le voyage pour se rassembler ici. Oh, alignez-les. D'accord. Allez. Alors, bon. Allez, ici. Voilà. Hop. Parfait. Bien. Là. Juste là. Voilà. Ah, c'est glauque, hein. C'est glauque. Qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Bien. Il est l'heure de commencer le grand spectacle. C'est excellent. Oh non, il va prendre le parasol. D'où le fait que j'ai pris le short.
Elle est où, Tifa? Iris Barrett. Iris Barrett. Hop. Petit clin d'œil à Zach, les amis, si vous avez compris. Hein. Ça va te calmer. Allez, allez. Ok, Tifa. Allez, encore un, et je vais attaquer avec Cloud. Synchronise. C'est un boucle à deux, Yazak. Oh les enfoirés! J'ai même réussi à mettre la main sur l'ancienne au passage. Je te souhaite une nouvelle fois la bienvenue, Aeris. Purée, c'est un truc de fou! Vous tous vous utilisez pour mes expériences. J'arrive! Ah, j'ai pas foudre. Sors. Ah, j'ai foudre, mais je vais d'abord me soigner. Ok, soin. Allez, allez. À mon tour. Un nouveau héros. Putain, j'entends pas ce qu'il dit. Pourquoi ça a pas fait? Je me saisisse. Je. Il faut que je tienne un coup. J'ai besoin. Objet. J'ai pas d'antidote. Ah là, je dois avoir un antidote normalement. Oh non!
On arrache, hein. Oh merde. Voilà, on les a tous. C'est Yuffie qui va nous sauver. Pas si vite, mon vieux. J'espère que je suis pas trop. Ah, pas mal, c'est pas mal. On n'en finira jamais à ce rythme-là. Mais je crois bien que j'ai une idée. Donne-moi un peu de temps. D'accord? Excellent. Se soigner. Ah, c'est pas Red qui a sérum. Antidote. Foudre. Elle n'est pas rentrée en choc, hein. Capturer, comme t'es prêt. Tout ça, c'est à cause de moi. Ouh. Et toi là-bas? Hein? Viens par ici. Moi? C'est trop fort, c'est trop fort. Tu veux les sauver, pas vrai? Dans ce cas, hop, hein? Tu vas m'aider. Ah. C'est le moment d'en finir. Oh merde. Il faut du mana, de terre. Allez. C'est pas mal, hein, je suis sûr que c'est pas mal. Quelqu'un plus chino jitsu. Excellent, d'où le frère jumeau. Ça a marché. Ça me déchire. Thank you.
plage Costa del Sol. Plage de Costa. Oui, ça fait penser à Beside. Bam. Bon, Tifa. Voilà, ma chérie, elle est là. Hop. Il n'y avait personne derrière le comptoir. Alors je me suis servie. Un Costa del Sol. J'en préparais parfois au septième ciel. On se disait qu'on rêverait de venir ici. L'époque où je travaillais au bar me paraît si loin. J'ai l'impression que ça fait des années. C'est tellement passé de ça fait tant de ça. C'est pas étonnant. Il s'est passé tellement de choses. Ça t'est déjà arrivé de souhaiter pouvoir oublier certaines choses? Toutes les peines, tous les coups durs. Je peux pas oublier. Surtout les coups durs. Ouais. Je sais. Moi non plus. Dis, je peux t'en faire un pour toi aussi si tu veux. Bien sûr. Non, ça va. Mon prochain verre d'alcool, je le boirai quand on aura reconstruit le septième ciel. C'est ce qu'on a décidé avec Barrett. Pas mal. Quand est-ce que vous avez eu l'occasion de décider ça? C'est pas mal. C'est un secret. C'est bizarre comme secret. Mais c'est toi qui vois. C'est excellent. À cause de Hojo, c'est un vrai champ de bataille. Non. C'est aussi notre faute. Chaque fois que j'ai affaire à lui, je perds totalement mon sang-froid. Faut pas t'en vouloir. C'est l'adrénaline qui parle dans ce genre de cas. C'est tout à fait normal. Ouais. La prochaine fois, je lui saute à la gorge. Ça défonce. Il est où, Barrett? Bon, Barrett, t'es où? Allô, c'est bon. Faut bien l'admettre, Yuffie nous a tiré d'un sacré pétrin. C'est très bien comment ils ont mis Yuffie. J'ai rien pu faire pour sauver les manteaux noirs. C'est ta faute. T'as pas hésité à voler à leur secours? C'est l'intention qui compte, tu crois pas? Depuis quand c'est toi l'optimiste de la bande? On aura tout vu, dis donc. Excellent. Midgar est là-bas, au-delà de l'horizon. Pas vrai? Ma véritable mère, elle s'appelait Ifalna. Ifalna. À ma naissance, Hojo l'a fait capturer. Pour mener ses expériences. Parce que c'était une Citra. C'est pour cette raison que je le hais. Profondément. Ouf. Ça fait bizarre d'entendre ça de la voix d'Iris. Il m'arrive même de me dire que je dois venger ma mère. Je me mets à penser à des choses horribles. À tel point que j'ai peur de moi-même. Oh, mais comment on peut pas aimer Dieu? Tu réfléchis trop. Mais quand même. Te torture pas. T'y penseras quand ce sera nécessaire. Tu n'auras qu'à écouter ton cœur. Et quelle que soit ta décision, je serai là. Cloud Bocos! T'es mon héros. Bon, on y va? Je n'aurai qu'à écouter mon cœur le moment venu. C'est la scène de fin, ça. C'est plus simple. Quand on y sera, je compte sur toi. Il serait temps de voir un peu Zach, là. Pas toi. Je disais ça à l'Iris du futur. Je pense que ce sera vraiment une fille formidable.
Tu verras quand on y sera. Mais comment ils se foutaient notre cœur? Ah, la Iris du futur. Ça me défonce. Oh putain, ce ex, comment il joue de nous, dit putain. Bon, prêt à partir? Prêt à l'action. C'est épique, c'est épique. Comment ils se foutent de nous? Comment ils se foutent de nous, putain, c'est génial. Oh putain, 4 ans d'attente, mais bien quoi. Pouah, Costa del Sol. Les vacances sont finies. Dommage. Ouais, des vacances un peu mouvementées. Bon, retournons à l'hôtel. Le gîte balnéaire d'où on voit pas la mer. Excellent. Excellentissime. Je vous attendais. Il s'est fait défoncer. Johnny, comment tu te sens? Il en faut plus pour m'abattre. En tout cas, tu nous as bien aidés. Au fait, faut que je vous dise, les filles de la plage qui ont vu ce que j'ai fait m'ont posé des questions à propos de l'hôtel. Elles m'ont expliqué que le maire était un escroc. J'ai honte, je me suis fait arnaquer. Je m'en étais pas rendu compte. T'es trop sympa. Et ta dette, ça doit être une grosse somme. Tu vas pouvoir la rembourser? T'inquiète pas. Les filles sont allées voir Capono pour qu'il arrête de me persécuter. Elles l'ont menacé de révéler ses méfaits au monde entier. Elles lui ont tellement mis la pression qu'il a cédé direct. Et résultat, ma dette, pouf, zéro. Oh. Ah, on pourra revenir et l'hôtel il sera fait. Je suis devenu le héros de la ville. Et vous allez voir, je vais faire de mon humble gîte un hôtel 7 étoiles dans les règles de l'art. Ça va être bien ça. On a foi en toi. Pour l'instant, les étoiles, on les voit surtout à travers les trous dans le toit. Oh, c'est vrai, mais l'accueil est chaleureux. Ah, non, j'ai mal. Oui, c'est vrai, merci. Au moins, il a plus de dette, le pognon, il pourra construire... Eh ben, ça va, mon vieux. Il pourra rénover direct tout, c'est bien. Je sens qu'il n'est pas au bout de ses peines. Non, mais c'est génial, la mise en scène, l'histoire, comment on donne plus de précision aux personnes. Johnny dans remake, ouais, c'est bien, mais là, Johnny, tu t'y attaches. Un truc de... J'ai envie de savoir ce qui va se passer pour lui. Excellent. Excellent. Chapitre 6, c'est excellent. Johnny, Seaside Inn. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va suivre les manteaux noirs. Ah bah, je les ai vus partir ce matin en direction du mont Corel. Ouh, c'est Corel. Il y en a certains qui étaient blessés. Mais impossible de les arrêter. Le mont Corel. Alors c'est là qu'on va. Nous espérons que votre séjour vous a plu, messieurs dames. Bonne route. Soyez prudents. Excellent. J'ai du pain sur la planche. Je vais faire de ce gîte balnéaire le phénix de l'hôtellerie. Pas mal. Trop fort. Ma paix, elle fait des sabuchis, là. Je suis parfois chasseuse exceptionnelle de matériaux. Ou parfois, assassine sensationnelle. Et le plus souvent, shinobi de charme bienveillante. Mais quelle est ma véritable identité? L'idole de tous, l'incroyable Yoshi. Excellent. Qui gagne, tu devras obéir à tous mes ordres. À l'inverse, si
Très bien. Attends, tu veux te battre pour de vrai? Non, parce que bon, pas besoin de violence. Si tu me le demandais gentiment, je pourrais accepter de vous rejoindre. Excellent, excellent. Mon plan a échoué. Je dois me replier. C'est quoi son problème? Une gamine. Trop fort. En fait, non! Attendez une minute! Dis, t'es vraiment absolument sûr que tu veux pas de moi dans ta bande, alors? Bon, tu peux venir. Bon, tu peux venir. Voilà ce que je voulais entendre! Alors, puisque vous insistez, j'accepte de vous rejoindre. Bienvenue, Yuffie. Chapitre 7. Un retour douloureux. T'as vraiment pas intérêt à nous faire un sale coup. Sinon, je te fous dans le canon de Junon et je te renvoie direct au Wutai, c'est clair? Oula. Pas mal, pas mal. C'est bon, j'ai compris. Ouh. Yuffie Kisaragi, à votre service. À quoi elle va nous quand même lui piquer les matériaux? Ou alors c'est un clin d'œil à la Yuffie de FF7. Va falloir que j'augmente. Vous pouvez vous promener dans la place que t'as le sol. Changer de tenue, vous pouvez changer de cabine, vous trouverez. Vous retrouvez automatiquement alors en tenue habituelle. Il est désormais possible d'effectuer des déplacements rapides en bateau que Stade des Sols et Junon. Ah, c'est bien ça. Pour utiliser cette fonction, adressez-vous au port. Ah, ça c'est bien, parce que j'ai encore des trucs à faire. Voilà. Ajout quête optionnelle dans la région. Et voilà, c'est ici que s'arrête cet épisode. C'était excellentissime. Chaque chapitre me rend fou. Iris, elle nous a encore sorti des dingueries dans ce chapitre 6. C'était excellent. Moi, j'en suis à quasi 1h57 d'épisode, mais ça va beaucoup couper parce que j'ai fait énormément de choses avec les jeux de cartes, trouver les tenues, mais tout ça, je vais les zapper, bien entendu. Ici, c'est Carl, et je vous dis à une prochaine fois pour l'épisode suivant de mon Let's Play sur Final Fantasy Tribute. En fait, j'ai oublié c'est quel numéro. C'est épique. C'est épique. Ciao.